Salut à tous, c'est GhosterTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis toujours avec Maxime. Voilà, il me suit dans les parcs. On est actuellement aux Pays-Bas pour découvrir Toverland. C'est la première fois que je me rends ici, lui c'est la deuxième fois. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de monde pour le moment. Il fait un temps pas terrible, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce parc d'attractions. Il y a plein de coasters, ça a l'air très très joli. Et tout de suite, on va se rendre en direction de la partie inner. Alors forcément, de l'extérieur, c'est moins joli que le reste du parc. Mais à l'intérieur, ça doit quand même être sympa. On rentre dans la partie indoor. Alors c'est génial, il y a plein de toboggans partout. Il y a des manèges. C'est très très grand, hein. C'est vraiment très grand. Au moins, on est couvert. Et là, on va se rendre en direction des bobs. Et en fait, c'est des bobs pas comme les autres. Parce que de ce que j'ai compris, on est expulsé à l'intérieur. Donc ça va être... Je suis très content d'être ici, en tout cas. Voilà, j'avais vraiment hâte de découvrir ce parc. J'en entends parler depuis longtemps via la chaîne de DB, etc. Je les ai vus y aller. Et là, je suis trop content d'y être. Alors, la file d'attente est hyper bien faite. J'adore. Regardez ça. Mais c'est génial. On rentre dans une petite maison comme ça. On se retrouve dans une file d'attente hyper jolie avec plein de détails. Franchement, pour l'instant, je kiffe. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et direction tout de suite un Vekoma, mais un Vekoma qui a l'air sympa puisque c'est un booster bike. C'était la première fois que je fais ce type d'attraction. Ah oui, c'est bien mouillé là. On ressort de l'attraction Troy, quel est ton avis sur ce coaster? Ça pique le visage. Pique le visage, je pense que effectivement c'est la bonne expression. Ça pique pas le visage parce que c'est nul, ça pique le visage parce qu'il pleut et qu'il allait très très vite. Franchement très intense et là on avance en direction de Phoenix qui est vraiment la dernière nouveauté du parc dans une zone toute mignonne. On voit un peu les rails bleus. C'est très sympa. On est actuellement dans la file d'attente de Phoenix. Elle est magnifique. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de monde. C'est vraiment trop trop beau. La
thématique est parfaite. Et puis le coaster a l'air vraiment super bien. C'est la première fois que je fais un wing coaster en plus. Donc j'ai hâte. Allez. Il y a l'extérieur là aussi, t'es... Oh là 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 là. Puissant, ouais. Et on ressort de l'attraction Phoenix, très sympathique, très puissante, c'était très bien, très intéressant, très. Voilà. Et là, on est dans quoi comme attraction? Merlin Quest. Merlin Quest, qui est une attraction en bateau, et apparemment, il y a une partie Dark Ride assez jolie. La file d'attente de Phoenix est sympa, et le coaster est très beau, surtout depuis le bateau. Là, on a des points de vue sur le coaster vraiment très sympa. C'est magnifique. Alors ici c'est très fun, il y a plein de jets d'eau partout. J'adore. Déjà j'adore les jets d'eau. Et en plus là on peut passer à l'intérieur, etc. C'est vraiment sympa, hein. C'est ça qui fait vraiment la force du parc aussi. C'est qu'il y a plein de chemins parallèles avec des jets d'eau, des ponts, etc. C'est top, j'adore. Et c'est parti pour l'attraction Django River. Heureusement qu'on n'était pas là. Là, là. C'était hard. Alors j'ai un peu peur de tout me prendre là. Non, ça va, hein. Ça va, mais c'est limite. Oh la chaussure. Ah là, c'est agréable. Et eh ben il est pas mal, très joli. Très joli. C'est un peu tout le temps pareil, c'est toujours une longue descente. Par rapport à Efteling où il y a des vagues, etc. Mais sinon il est franchement sympa. Et c'est parti pour le coaster intense. Ouais. Le plus gros. Le meilleur du parc. Le meilleur du parc. Changeons de pied. Allez, vas-y, fais-toi écraser. Ouh là là. Il a bloqué. Il a bloqué le système. Ah. C'est pas une belle claque là.
les escaliers classiques. Avec le strobe, ça doit être un peu... de la technique. Hein. Entraînement, des années d'entraînement. On va voir si... Ça va, tu gères bien ? Ça va, regarde. Entraînement de pompier. Le double tonneau. Tu l'avais déjà fait ça ? T'as du mal toi hein. Passe devant là, je suis sûr que tu vas t'étaler un moment. Il dab. Ça, ça a l'air assez fun. Saute en haut. Toujours un rouleau compresseur, un classique. Ah, il y a des toboggans là. Attends, l'autre c'est un toboggan. Ça pique. Et c'est quoi le mieux? Vas-y, toboggan tapis. C'est prêt? C'est fun. J'espère que tu l'as. Horrible, je me suis étalé comme un con. Et bah assez fun hein. C'est marrant quand même. C'est marrant ouais. Franchement c'est marrant. C'est pas incroyable mais c'est marrant. Sur les conseils de Zem Park Rider, Maxime, on part sur des pizzas. Voilà. C'est pas mal et puis surtout on mange dans une zone qui est marrante parce qu'on est en intérieur, il pleut dehors, on fait très bien. Et juste à côté du Flume qu'on va aller faire juste après. Thank you.
C'est bien très sympa ces petits jeux de fontaine là. C'est très cool. Il y en a un peu partout, j'adore, avec les petits spectacles comme ça. Donc c'est très mignon et on va se rendre tout de suite en direction du coaster qui est juste là. Et... Ah oui déjà. Voilà. On est à l'intérieur, c'est quoi le nom de l'attraction d'ailleurs? Aucune idée. On va dire que c'est l'attraction Aucune idée. C'est une attraction où on tourne pour tourner afin de tourner trois fois. Ce qui fait qu'on peut avoir la gerbe au bout d'un moment. On va pas tourner trop vite, même si je sais qu'il va vouloir tourner très vite. Bah voilà, on se retrouve quand on sera là-haut, puisqu'on peut monter assez haut, ça a l'air. On se retrouve à l'hôpital, ouais. Donc en gros, ça tourne pas mal. Et en même temps on tourne et en fait on peut se pencher un peu sur le côté. Ça se balance un peu, c'est assez drôle ouais. Allez c'est parti pour le toboggan aquatique, je suis mouillé déjà. Ah elles sont trempées à l'intérieur, c'est sympathique, allez. Et on ressort de ce toboggan aquatique, est-ce qu'il t'a plu? Il m'a beaucoup plu. Ouais, il est très sympa en fait, on n'a pas l'impression, mais on va assez vite. Il y a des lumières à l'intérieur, et puis vu qu'on n'a pas trouvé de piscine, voilà, on se fait du bien, hein. On se fait plaisir avec un petit toboggan aquatique. Et c'est la fin de cette journée à Toverland, je remercie Maxime. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux, oui, c'est aux gens qui nous regardent? C'est Theme Park Rider, ma chaîne n'est pas Zem Park Rider comme tu l'as dit souvent, voilà. Eh bien, Theme Park Rider que vous pouvez aller voir. Ok, sorry. Donc voilà, un très bon parc, un très très beau parc. J'espère que les on rides ont été d'assez bonne qualité. Il y avait pas mal de pluie aujourd'hui. En tout cas, c'était vraiment sympa de pouvoir visiter ce parc. Demain, j'enchaîne avec Bobbian Land. Ça va arriver ou c'est peut-être déjà arrivé sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour suivre un peu toutes mes aventures. Et je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. À très vite.